Je vais te il fallait que je rie un peu. Donc, bonsoir, bonsoir. Je sais que vous allez bien. Donc, j'ai une de mes followers. Son histoire ce matin, elle m'a fait jusqu'à. C'est fou parce que le même jour où elle me parle de son histoire, j'ai une autre dame qui vient 2 heures plus tard et qui me raconte le même discours. Vous êtes tellement de personnes puisées dans votre énergie. Tellement de personnes puisent dans votre énergie. Vous m'écoutez, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit quoi? Donc, si vous venez de vous connecter, partagez et vous pouvez liker. J'ai dit puise, pas puise, puise. Anakin, bonsoir. Quelqu'un te voit. Je vais prendre le cas d'une femme qui travaille déjà sur elle depuis un bout, qui a commencé. Tu rencontres un jeune homme, il est beau, sa mère, c'est la cheftaine des simpletons. Son père l'a abandonné. Il te rencontre. Vous tombez amoureux l'un de l'autre. Mais il est sceptique. Il a les femmes de nuit comme ça. Et tu sais, quand tu sois avec un homme qui a les femmes de nuit, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas de business aujourd'hui, je parle. Bonjour, Anna Kancha, vu mes vidéos, d'accord. Merci. Quand tu avais un homme qui a une femme de nuit, dites-moi ce qui se passe. On va voir si vous connaissez un peu. Denise, bonsoir. Ah. Et il lui transmet ma vie de nuit. Ah, oufa, comment ça? C'est ça. Tu rencontres un homme qui a déjà une femme, est-ce que l'autre femme ne va pas t'accepter? Comment vous parlez comme si c'était transmis comment? Oui, en attendant, j'ai dit que tu serais riche. Ok, que tu seras riche. Qui ça? Ah, merci. Allô? Oui. Comment? Celui qui vous a commandé ça, je lui ai dit là où je suis, non? Jeune homme m'a dit que ça fait 10 minutes que le livret est sorti. Franchement, je vais me plaindre chez votre patron parce que vous voulez me chasser de ce restaurant-là, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai appelé, la dernière fois que je suis venue m'asseoir là-bas, j'ai fait 15 minutes, on n'avait pas passé ma commande. Ça m'a énervé.
Imaginez, je ne suis pas la seule cliente à qui on fait ça. Il vient de me confirmer au téléphone, hein, il m'a appelé, il me dit que ça fait 10 minutes que le livreur est parti. Et vous m'appelez pour me demander que vous livrez où? Mais pourquoi mentir? Ah non, prends ça. Quelqu'un vous met sur son business, vous voulez garder son business. Oh. Pourquoi les gens font ça? C'est le restaurant de mon ami, hein. Ses employés. Oh. Je parle que quand mes tuyaux téléphonent, le livret est à partir depuis 10 minutes. Investissez en Afrique, assurez-vous que les personnes que vous mettez là-bas font ce que vous dites. Ça ne va pas vous échapper. Oh, ça m'embête. Parfois, tu donnes un bon service, tu demandes que les clients ne viennent pas. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai pas les clients? C'est des gens comme ça. Moi, je suis le genre de copine que je fais, tu renvoies tes gens. J'allais dans ton restaurant, je fais, tu renvoies, tu les renvoies. Oui. Je vous dénonce, dis-moi. Tu viens juste chez moi, on te traite, moi, tu me dis, je vais renvoyer la personne. Voilà. Oh, c'est dommage quand même. Je suis en pleine forme, Mira. Bon, tu disais qu'elle ne va pas t'accepter, elle va te combattre. Mais est-ce que c'est évident de se battre contre quelqu'un que tu ne vois même pas? Qui connaît les signes d'un mari de nuit? Anna, quand tu aimes ma façon de parler, merci. T'es gentil. Donnez-moi les signes. Comment savoir que ton gars... Comment on fait pour savoir que ton gars a une femme de nuit? On n'attend pas la délivrance, on provoque la délivrance. Il est indécis à l'engagement, pourtant vous vous aimez bien. Ti, rapport de sommeil, rapport sexuel en dormant, griffure au réveil. Les querelles tout le temps. Il parle seul et gémit dans le sommeil. Quand il dort, tu ne dors pas. Violente colère injustifiée. Ah, les médecins. Pardon, venez parler, médecins sans frontières. Saut d'humeur matinale. Il parle seul. Il a le sommeil perturbé. Quoi d'autre? Il peut te battre. Possible. Quand il tombe sur les trucs, c'est possible, ouais. Il pique les crises sans raison. La femme de nuit vous menace dans le sommeil. Quand il fait comme ça, là, oui, possible. Sous-vêtements mouillés le matin au réveil, oui. Il t'agresse chaque soir quand tu rentres. Dynastie, on ne dit pas les gros mots dans mon direct. Tu as compris, je ne vais même pas lire le mot que tu as mis. Tu dis que son truc est bloqué. Je ne veux pas, ton commentaire ne compte pas. Il se fâche tout le temps. Je vois que le mot colère revient beaucoup. Il ment pour se justifier. Visage froissé le matin. Il ne te désire pas beaucoup. C'est sa femme, pourquoi il se bat avec elle? Il va coucher avec elle. Couche de nuit, non? Il ne te touche plus. Fatigue matinale, c'est parce qu'elle a passé toute la nuit à faire les choses avec sa femme. Il devient impuis. Oui. Est-ce que cela vient de la sorcellerie ou de lui-même? Oui.
aujourd'hui il t'aime, demain il doute. Ça monte, ça descend. Ouais, le doute. Beaucoup infidèles. Oui, c'est possible. Merci. Il a payé, papa. Il a dit que tu viens de reprendre l'argent. Et il te dit que non, jamais, non, jamais. Je sais pas, l'autre là, il a l'air de se fâcher. Je n'ai pas moi dit, c'est pas moi qui ai dit. Bon, merci. Merci. Il est toujours nerveux. Oui, tu peux prendre, je sais pas pour vous, tu peux prendre ça. Je vais manger après. Je vais manger après. Tu peux déposer ce mal là, papa. Je vais manger après. Nous sommes divorcés depuis un an, après 6 ans de mariage. Il te supporte que si tu es loin de lui. Même à distance, vous vous engueulez. Bon, regardez. Merci, Émilie, pour le compliment. Il y a, Émilie, il y a des gens qui... Il peut rêver qu'il couche avec ses tantes. Il peut rêver qu'il couche avec ton... Il peut rêver qu'il en train de faire l'amour avec d'autres femmes. Oui. Non, moins de choses, il dégage. J'ai reçu une dame ici hier, elle me parlait justement de son gars, que quand il avait les, au début de leur relation, parce qu'elle-même là, elle est puissante. Donc elle a récupéré le gars comme ça, elle a dit que bon gars comme ça, là, vous n'allez pas me prendre bon gars. Elle a mis la clé comme ça, là. Elle a tchakak. Ah! Bagarre! Ses grands-mères, ses tantes-là ont dû laisser le gars. Oui. Donc, il y a des personnes que quand tu nais dans une famille, ta grand-mère, ta mère, on te donne à quelqu'un. Et les gars qui ont les femmes de nuit là, ils sont toujours beaux. Vous voyez que les femmes là ne connaissent pas aussi. Hein? Donc vous voyez qu'il y a que vous qui vous aimez les belles choses, les bonnes choses. Tu vois un bon plantain comme ça, tu connais ça. Ah, laisse tomber ma chérie. Au départ, vous voyez que vous aimez bien. Hein? Bon, problème sur problème. Oui. Je ne suis pas Abidjan. Je vous ai dit que je suis ivoirienne. Non. J'ai grandi au Cameroun, mais je suis ivoirienne. J'ai vu sa femme de nuit. C'est une vieille. Elle m'a menacé la nuit. À ta nuit de noces en rêve. What? Elle a même permis que vous vous mariez. Ça veut dire que toi, là, tu es faute. C'est comme ça que vous êtes allé pour le mariage. Mari ou femme de nuit, là, généralement, quand c'est une femme qui a un mari, spirituel ou de nuit, donnons dans les signes pour les femmes. Allons-y. C'est ma belle-mère qui décide. 2 ans de relation, me voici depuis, dehors depuis 2 mois. Parfois, c'est la mère qui est mariée avec son fils. Tu peux avoir un mari spirituel, hein? Mais il ne te couche pas la nuit. Pour les femmes, les règles sont irrégulières, oui. Ça fait fuir les hommes qui te côtoient. Pour qu'un homme tienne à côté de toi, ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Il faut que l'homme là, spirituellement, qu'il soit assis. Souvent, les femmes comme ça là, quand tu as un mari de nuit, il vient, il bloque les affaires de ton gars. Il bloque. Voilà, à midi, on repousse les hommes qui veulent t'épouser. Oui, les fausses couches, oui. Je vous donne juste les signes, hein. Que tu acceptes ou pas, si tu as le mari de nuit, tu as le mari de nuit. C'est pas parce que je t'ai donné les signes que ça va faire quelque chose. Maintenant, je vais donner le contraste.
Ces femmes qui ont les maris spirituels qui sont dans deux mondes, parfois ce sont les femmes que tu vas te voir en train de te marier dans le rêve, tu vas te voir en train d'accoucher dans le rêve, vous voyez, donc les choses comme ça. Parfois ça bloque ta fécondité, oui. On est en train de donner les signes depuis la nuit. Tu n'entends pas ou bien? Bonjour la Réunion. Bonjour le roi Brice. Bon, maintenant, je vais donner le contraste. Il y a des femmes très puissantes ici. Ok? Pour votre royauté, vous avez des guides qui sont très jaloux. Pas forcément que ce sont vos maris. C'est comme si je vois un peu comme si tu as une garde rapprochée, très puissante. Ce qui fait que quand un homme s'approche de toi, on le dégage. Donc, une femme qui a une mission, qui est censée aider plein de personnes, ou bien soigner, ou bien... Généralement, les femmes qui sont appelées à soigner et tout cela, elles ont, dans le spirituel, elles ont... Je ne vais pas dire que c'est forcément tes maris là-bas, mais dans le spirituel, tu as une garde énorme. Alexis, il faut que ta soeur travaille sur elle. C'est qui est arrivé qu'elle saignait. On est peut-être en train d'attaquer cet enfant. Donc, tu es tellement puissante qu'on t'a donné ta garde rapprochée. Ce qui fait que si un homme vient dans ta vie, il te fait du mal. Ce sont eux qui vont l'attaquer. Il va lire l'heure. Un homme vient comme ça, même pour dormir à côté de toi, il ne peut pas tenir parce que la nuit là. C'est pour ça que beaucoup de femmes très spirituelles confondent avec mari de nuit. Et quand ils vont te dire, tu fais tout comme un homme. Non, non, tu ne fais pas comme un homme. Il y a femme et femme. Tu ne dragues pas n'importe quelle femme, messieurs. Que wow, tu es belle. Et les femmes sont belles, oh, oh, oh. Les femmes là sont belles, oh, 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 oh. Je suis belle. Écoutez. Je suis en train de nous décrire là. Je nous décris. Parce que tout pour vous, c'est tellement, oh, mes relations ne durent pas. Oh. Tu crois que tu es n'importe qui. Toi là, tu as la puissance même de sept hommes. Tu crois qu'un homme va venir te prendre. Et un homme mademoiselle en plus. Jamais. Elles sont belles comme les sirènes. Belles jusqu'à le feu sort. Un autre est venu avec son ami, ils ont tout fait. Après, il t'a lâché, il dit que toi et tes esprits là. Parce que quand un homme t'approche, s'il n'est pas fort, s'il n'est pas fort, quand j'explique souvent, dans certaines de mes vidéos, j'explique aux reines que tu arrives à un niveau où tu ne peux plus dormir côte à côte dans le lit avec un homme. Oublie. Il va lire. Quand alors un homme te fait mal ou du mal, on ne s'amuse pas avec n'importe qui. On ne s'amuse pas avec n'importe qui. Il ne parle pas seulement pour parler. Vous devez connaître ce que vous portez. Beaucoup d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. Ça te fait peur, pourquoi?
Moi, j'avais un ami. Il a sursauté la nuit. Il dit que tes ancêtres m'ont poursuivi. Ils t'ont poursuivi. Hein. Qu'est-ce que je suis venu faire à côté de toi? Ensuite, il parlait d'alliance de sang, que je suis son ministre. Les filles, parfois, vous, là, vous êtes des puissantes reines d'avant. Et tu ne te connais pas encore bien. Tu vois, ta mère vient devant toi. Comme il a la voiture, il croit que... Non. Que non, j'ai la voiture. C'est une petite fille, non? Elle est secrétaire seulement là-bas. Connaissez qui vous êtes, mesdames. Connaissez. Il y en a parmi vous. Un de tes ex, tu es sorti avec 4 hommes après lui. Jusqu'aujourd'hui, il pense à toi. Et il souffre. À cause d'une parole que tu as dit sur lui. Une larme que tu as versée à cause de lui. Donc, on m'avait raconté l'histoire de qui là. La fille qui elle a apporté le tarot au gars. Elle a préparé le tarot au. Elle a pris avec. Elle a apporté dans l'assiette de sa mère. Hein? Elle a apporté le tarot au gars dans l'assiette de sa mère. Le gars a dit, dépose ça au salon. Elle se tournait pas, il dit qu'il est fatigué, qu'il va manger le soir. Il était dans la chambre avec une autre fille. Elle passe, elle se rend compte qu'elle a oublié son téléphone, le allô, allô, 3310, sur la table. Elle revient. Elle est toujours en train de manger le tarot qu'elle a souffert pour préparer. Avec une autre go. C'est le genre d'homme là. Tu dors. On te dit qu'il a un goût actuellement. Tu vois tout. On t'a dit qu'on traite de sorcière. Laisse-les te traiter de sorcière. Quand ils disent sorcière, tu dis que vous avez bien vu. Oui. Tu dis que oui. Je le suis. Vous ne devez pas les laisser. Et c'est la même chose pour les hommes. Hein. Un homme ne peut pas me faire du mal longtemps. Même les ennemis. Comme si j'ai un ange gardien qui combat. Ce n'est pas comme si. Il n'y a pas de comme si dans la spiritualité. On te montre tout. Même s'il nie, 2 ans plus tard, tu le vois, il te dit que bon, on n'est plus ensemble, non. Après, il te dit, tu vois comme tu m'avais dit que j'ai sorti avec telle personne, non. Oui, c'était vrai. Parfois, on te donne le prénom. Un jour, on m'avait donné un prénom que Jennifer. Je me suis réveillée, j'ai dit que. Il n'y a pas Jennifer. Tu connais qui est Jennifer? Que Jennifer Bawa. Hein? Que c'est qui Jennifer? Il dit non, il n'y a pas de Jennifer. Je me retire. Le seul que je vous dirai, je baisse seulement le seul autour de mon lit. Je dis que mes ancêtres. Je vous appelle très rarement. Montrez-moi si la personne s'est dit la vérité. La nuit, on m'a montré, elle était même brune. Jennifer était même brune. C'était une fille brune. On m'a montré Jennifer. Monsieur, je veux ma télé quitter. Sans remords. Peut-être 6 mois plus tard, il me dit oui. Effectivement, il y avait eu, à l'époque là, il y avait. Il dit voilà, tu m'as fait pendant 6 mois que j'étais folle. Tu me fais pas 6 mois donc je crois que je suis folle. Hein? Je vais encore faire mes noces après. Je vais faire d'abord mes caca de poule là. Je ne me prépare pour les noces. J'avais les noces avant. Je les avais enlevées. C'était très puissant. Je dis que si tu n'es pas sûr, parce que parfois vous arrivez à des carrefours dans votre vie. Tu n'es pas sûr. Voilà, je reste avec l'homme-ci. Et généralement, ils ont la langue très mielleuse. Dès que tu dis comment, tu es sûr que. Il dit non, chérie. La nuit, là, il te touche comme il ne t'a jamais touché.
Il exorcise le doute de toi. Merci. Je le voyais avec une fille, je lui demandais, il niait là. Tu voyais ça dans le rêve, ok. La nuit, tu as vu la fille net net. Il t'a traité de sorcière. Maman, on t'a même donné le numéro de téléphone. Hein. Hey, 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 hey. Vous êtes les bonnes sorcières. Les bonnes sorcières. Malheureusement, pour les femmes, c'est un peu plus puissant que pour les hommes. Quand une femme a des guides, tu viens sortir avec elle. Tu t'amuses, on te gifle. Et généralement, ils voient le cœur des hommes là sur vous. C'est pour ça qu'ils ne permettent pas que les hommes là restent avec vous. Combien de relations, tu sais que si on te laissait avec l'homme là, tu n'allais pas bien se passer. Tu que tu n'es pas là où tu es. Hein? Il y a Émilie qui dit que, avec le papa de tes enfants, il se réveille en pleine nuit, il me dit que on veut le tuer. Tu le laisses voir. Il dit que moi je ne connais pas moi. Je savais que c'était tes ancêtres. Maya, bonsoir. Tu vois, souvent quand tu les rencontres, non? Tu lui dis que comme tu me vois là, ne t'amuse pas de moi. Il te voit, tu as deux trucs là. Tu es petite comme ça, avec ta petite voix. Il dit, elle peut me faire quoi? Voilà. Glowing dit qu'elle a vu le numéro de téléphone. Elle a même vu les SMS. Dans le rêve, hein. Maman. Gladys, oui, merci. Je suis une Camerounaise qui a grandi en Côte d'Ivoire. Tu lui dis que papa, quand tu me vois là, c'est toi qui es venu me draguer, non? C'est toi qui es venu vers moi, non? Mon dernier ex là, il en connaît qui? Il a prison sa tienne, sans temps de nouvelles. Parce qu'il m'a escroqué. Il est parti, je l'ai laissé partir. Prochaine personne à qui il a fait son attrapé, on l'a mis en prison. Donc il a payé pour nous deux. Voilà. Continue seulement. Il prend ton argent. Dit que les gens vivent cela aussi. Un autre était venu me raconter sa vie, disant qu'il doit me pousser en me cachant des sous-choses. Un jour, je lui ai demandé à votre autorité que, où est ton fils. Il m'a dit qu'il est chez eux. Et c'était la fin. Le gars fuit. Où est les bonnes sorcières? Voilà, tu vois, les gens t'ont déjà dit que on vous appelle sorcière. C'est seulement que depuis là, vous fuyez, même, je ne sais pas pourquoi. Oh. Chaque fois qu'il fait le bain de pipi mélangé avec le sel, mes guides me montrent, ils prennent le contrôle et me mettent sur le chemin de ta mission de vie. Voilà, c'est ça, Boris. Je voudrais te dire que vous devez arriver à une dimension où. Et ce qu'ils ont fait dans le passé, ils le referont. Ils le feront encore. Ils le feront encore. Ils feront encore et encore. Vous suivez? Là, il vient dans ta vie comme ça, là. Il a ses motifs. Il a ses motifs cachés. Tu l'observes. Tu mets tes genoux à terre. Le lendemain, il a le boulot. Il t'énerve. Le lendemain, il a la mise à pied. Ah, yeah. Contrôle. Tu veux discuter avec moi, papa? On va discuter de quoi? Dis-moi non. Donne-moi un avant-goût. Si c'est une proposition de business. Mais si c'est pour une consultation, chose que je ne pense pas, mes consultations sont payantes. On paye jamais pour me parler. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur de dire à quelqu'un que ne t'amuse pas de moi. Ne t'amuse pas de moi. Ne t'amuse pas de moi. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Une lame a raconté son histoire récemment.
Elle est partie, elle a fait. Elle était avec Joe. Et on n'était même pas sûr si c'était elle était la seule. Dès qu'elle met ses genoux à terre pour prier pour le Joe, première maladie part. Finance, tac, il finit sa maison, tac, tac, ses choses commencent à marcher, tac, tac. Il envoie l'argent que ça c'est pour elle. Sa soeur prend, pam, elle fait ses propres papiers avec pour partir en mer. Et sa soeur le manipulait tellement qu'il ne dit même pas qu'un kick. Elle a ouvert son business toute seule. Elle a fait ses choses comme si de rien n'était. Et comme Dieu fait ce qu'il fait, il a béni, donc continue de bénir. Tu sois avec un monsieur qu'il peut facilement t'envoyer même 500 000 au mois. Il n'en va rien. Elle ne parle pas. Beaucoup regardent ta joie. Tu te regardes, ma joie est là. Ok, super. Merci pour le commentaire. Elle joue, elle reste. Elle demande lavage mariage. En passant, j'ai une promotion. Tous ceux qui ont pu un service chez moi le mois passé ou surpassé, décembre et janvier, je vous en prie. Parce qu'on m'a montré que vous avez beaucoup d'attaques. Demandez encore que je travaille sur vous. Et ce travail, vous allez payer 40% moins. Donc, si supposons que tu devais payer le lavage à 50 000, si on enlève 40%, je crois que tu vas payer peut-être 30 000. 40% de 50 000, c'est combien? C'est 30 000, voilà. Non, c'est 20 000. Donc, tu vas payer 30 000 pour le lavage. Je dois encore travailler sur vous. Je suis restée là, j'ai une de mes filles. Elle est restée. Depuis avant-hier, elle veut qu'elle m'écrive. Elle fait qu'elle écrit que je veux qu'on travaille sur moi, je veux qu'on travaille sur moi. Voiture tombée en panne. Panne au boulot, problème. Je dis que tu as fait 3 mois sans travail sur toi. Ce n'est pas bien. Parfois, le nettoyage est énergique. Parce que quand vous commencez, et les témoins de la femme, c'est une musulmane, elle a commencé à payer sa dîme chez moi l'année passée. En 3 mois, les témoignages qu'elle avait. Témoignages. Quand c'est comme ça, ne te bloque pas seulement, je te dis que bon, c'est bon déjà. Tu es sous les feux de. Tu es exposé. Moi, je dis seulement, en passant. Bon, on revient sur le travail de la jeune fille. Donc, elle a demandé où elle est, pourtant je faisais les promotions. Attendez, la corde de mon soutien dérange. Je vais arranger un peu. Je n'aime pas quand la corde pend, ça passe sur le côté là, ça m'énerve. Attendez, on fait une pause de soutien. Je pense que mes clients vont voir ça. Vous-même, vous avez les femmes qui ont les soutiens. Hein? Ça me dérange quand je parle. Attendez. Voilà. Les femmes connaissent de quoi je parle. Quand le soutien n'est pas en place là, c'est pas bon. Peut-être qu'il est trop serré. Voilà, c'est bon. Ok, continuons. Donc, elle demande le lavage à distance, non? Pose le soutien, non? Donc, elle demande le lavage mariage que j'avais lancé là. Pour le 14 février, j'ai encore lancé le lavage de mariage. Donc, pour rencontrer son âme sœur, ou bien pour fortifier votre mariage. Donc, elle est avec son fiancé. Elle est avec son fiancé. Je l'ai lavé aujourd'hui. Le lendemain, il se sépare d'elle. Tu avais le problème de couche de nuit. Depuis que tu verses le sel devant ta porte et ta fenêtre et autour de ton lit avant de dormir, tu n'as plus ça. Et même dans les rêves, cette femme me fuit. Je te dis la vérité, ma reine. Maintenant, je veux que mes finances se débloquent. Parce que je sens que je suis un agent de lumière. Ouais, Boris, c'est vraiment bien que tu aies compris, que tu aies fait ce rapprochement-là. Le lendemain, le gars la quitte. Et quand il la quitte comme ça, là, il vient au pays, il fait la java avec les filles. Il dépense l'argent. Et comme il a quitté tellement brutalement, ça lui a fait mal. Elle a dit que même s'il revient, elle n'accepte plus. Donc elle s'est concentrée sur son travail spirituel. Elle a pris des produits, elle a commencé à faire. Vous voulez quelque chose? Quoi ça? Vous avez besoin de quelque chose par rapport au fond du bureau.
Ah non, je suis presque jamais au bureau, donc ça me parle pas trop bien. Merci. Donc, il revient, il essaie arrogamment de négocier avec elle. Genre, tu peux pas te passer de moi. Hein. Tu vois, quand le gars est beau, tu arrives, on va dire, oh, le menguiste est là. C'est qu'il y a beaucoup de filles qui vont te courir après. Elle a dit, niet. Il a essayé deux fois, il est parti. Quelques mois plus tard. Pardon, maman. Je sais qu'il n'y a que quand tu pries pour moi, ça marche. Et c'est la même personne que je vous avais dit, on va raconter l'histoire d'une fille ici, là, non. Je vais encore raconter sa deuxième histoire. J'ai fini d'avoir la partie du gaz, là. C'est trop sucré. Oh, il n'y a que toi, quand tu pries pour moi, ça marche. Vraiment. Ma maladie, elle a encore repris. Oh, mais... Elle dit qu'elle a lu le message en vain. Lu et ignoré. Bonsoir, Georgette. Et je lui ai dit que tu sais, Dieu t'aime toujours. Parfois, Dieu te permet de voir ce qu'il a fait à tes ennemis. Tu sais que parfois, tu peux te séparer de quelqu'un, non? C'est même 5 ans plus tard qu'on te dit un peu. Quand on ne se sépare de la personne, ça fait même moins d'un an. On te montre. Tu dis yes. Yes, papa. J'ai déjà. Pim, 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 pim. Tu sais que souvent, tu peux perdre l'envie de prier pour quelqu'un, non? Parfois, tu pries, tu mets tes poumons sur ça, tu mets le cœur. Parfois, tu dis non. Non, vous allez comprendre, vous allez croire. Sa copine dont je vous parlais, elle avait sa copine. Tu vois, ta chinda, quand tu pars quelque part, ta chinda arrête ton sac. Hein? Mais en même temps, c'est ta copine. Vous arrivez quelque part, généralement, on te drague beaucoup là. Mais chinda, à côté, elle fait comme si, oh, je suis heureuse pour toi. On va manger le yaourt. Dis que tu veux le yaourt. Dis oui. Dis que tu veux. Parce qu'elle sait qu'elle va manger des yaourts, non? Elle arrive un jour dans un événement où il y avait les grands. Hein? Un milliardaire qui travaille en main, il la traque. Et les femmes spirituelles, là, vous êtes très. Vous, les gens, vous attirez donc. Même à 50 ans, un homme de 35 ans, riche, il va courir derrière ton quartier avec la voiture. Oh, pardon, accepte-moi, non. Parce que c'est ton aura. C'est le genre de femmes qui sont pour les choux, là, mamie. Tu vois, elle est âgée, mais elle est tout sucrée. Mais excusez le terme, sucré, c'est pas mauvais. Non. Elle est âgée, mais elle est sucrée. C'est pour ça qu'on dit sugar, non. Sugar mommy. Le terme sugar daddy, c'est ça. Hein. Il est âgée, mais elle est sucrée, c'est tout. Il n'y a pas d'argent sur ça. Elle est âgée, mais elle a le goût. Elle a le goût. Oui. Ce n'est pas toi qui fais, maman. Bonjour, Léon. C'est les hommes qui peuvent confirmer. Le genre de gars, quand tu te vois, tu dis que merde, ça arrive à quoi que tu me dépasses de 15 ans. Mais elle a le goût. Oui. Et elle tient. Hein. Bon, on ne peut pas. Je vois que vos esprits sont déjà en train de fleurir. Les idées sont en train de fleurir dans vos esprits. Moi, je vous connais. Moi, j'ai un public qui est très. Je suis sûr que si on filmait, on filmait vos ébats dans la chambre. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis certaine de ça d'abord. S'il vous plaît, apportez-moi une fourchette. Je suis la marraine. Je suis la madre. Oui. Vous avez raconté l'histoire de la grand-mère, là, non? Je vous ai raconté l'histoire de la grand-mère, là, non? Oui. On arrive, on veut violer tous les enfants. On dit que non, laissez ma grand-mère. La grand-mère dit que, hé, depuis que votre grand-père meurt, moi, là, vous croyez que quoi? Que je fais comment? Violez-moi aussi. Qui se rappelle de Samba? Merci. Qui se rappelle de Samba? Si vous vous rappelez de Samba, riez seulement. Riez seulement. Vous avez invité un musicien chez vous. Et à la grande surprise,
dans toute la foule, c'est toi qui l'as choisi. Tu vois, est-ce que tu me suivais déjà le temps là? Je suis sûr que tu me suivais déjà. Merci. Non, 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 ça ne ressemble pas à ma pochette. Il n'y a pas la pochette dans cette maison. C'est la pochette des gens qui n'ont pas les dents. On va s'occuper de la n'ont pas la pochette. La cuisine ici, non. Il y a pas la pochette là-bas. C'est la bonne pochette. C'est la seule pochette là-bas. Les gens sont pareils. Jesus. Pardon, mets ça sur la liste des choses à acheter. Pourquoi vous menacez? Mais vous menacez. Yeah. 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 J'ai envie de laver mes mains pour manger mes mains. Où est-ce que tu me dis? Les employés sont des cas. J'ai répondu ce qu'elle disait. Moi j'ai les fichettes en or chez moi. Maintenant c'est très fréquent, les fichettes jaunes là. Donc ça tchinda non? Ça tchinda. Après, c'est le numéro du monsieur dans son téléphone. Elle a appelé le monsieur. Dénigrer la dame. À sortir avec monsieur. C'est 4 ans plus tard que la fille sait. Tout ça se passe dans son dos, elle ne connaît pas. Elle reste 4 ans plus tard. Ça, c'est quand elle a commencé à utiliser mes produits. Elle reste un jour, elle dit que maman, voilà, depuis la nuit, j'ai mon ex-chinda copine qui est en train de m'écrire, elle me fait des aveux. Elle a pris le numéro, rythmé le gars. Le monsieur a quitté celle-ci. Parce qu'elle dit qu'elle était surprise qu'ils sont passés un week-end ensemble. Il a envoyé son chauffeur, il allait la récupérer dans sa ville. Ils ont passé un bon moment sur présidentiel, nanana. À partir de la semaine qui suivait, le monsieur n'appelle plus. Tu vois le genre que tu. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il m'avait dit, bébé, je veux que tu sois la femme de ma vie, gna gna gna. Qu'est-ce qui se passe? 4 ans plus tard. Et la Tinda vient à veut pourquoi? Écoutons l'histoire. Je vais commencer à faire le show des histoires, mais je veux les histoires qui se terminent bien. Donc, si vous avez une histoire qui se termine mal, vous ne venez pas me raconter. Je ne suis pas là, oh, après ils sont morts, après, oui, je suis pas dedans. Je continue. La Tinda lui dit que finalement, j'ai failli ma fête aller en Belgique. Elle est partie en Belgique. Il a pris la maison, parce qu'il y avait l'argent. Il a pris la maison pour la fille. Ils ont vécu ensemble. Ça n'a pas donné. Elle a utilisé le monsieur pour avoir cette tout là-bas. Quitter le monsieur. Donc là où elle est là, elle vivait sa vie normalement. Jusqu'à ce qu'on lui détecte une maladie incurable. Et quand elle était au pays, c'est cette jeune femme qui restait prier pour elle de temps en temps. Et quand elle priait pour elle, ça allait. Donc après avoir essayé dans tous les hôpitaux, en Belgique, une nuit, elle vient donc lui avouer tout ça. Et à la fin, elle lui dit que pardon, prie pour moi. Je crois que vous connaissez ce qu'elle lui dit. Et on vous laisse deviner. Qu'est-ce que tu veux dire?
Elle-même n'avait pas envie. Elle a lui, elle a ignoré. Elle a vraiment dit bonne chance. Tu vas à l'église. Elle dit va à l'église. Par contre, t'as mordu une fois. Tu viens encore, tu dis que. Ah! Jésus, on te gifle. Il dit que quoi? Est-ce que Jésus a dit répéter l'opération 77 fois? Est-ce que Jésus a dit laissez, on vous gifle 77 fois? Quand il fait mon diable, il ne parlait pas comme ça, ça m'énerve. Il veut m'aller manger ma nourriture. Allons dans la logique. Ok, il veut manger des rejets pour ne parler pas. Il veut le dire tout à l'heure, si on me permet. Je reviens faire les lectures de 4. Ok? Donne-moi 15 minutes.